Dis donc, Badak, tu ne trouves pas que nous sommes allés trop loin pour célébrer la naissance de ton fils ? Célébrer la naissance de mon fils ? C'est la dernière chose qui me viendrait à l'esprit. Nous avons fini de coloniser cette planète. Pourquoi est-ce que tu ne retournerais pas sur Vegeta pour aller voir ton fils ? Pourquoi je perdrais mon temps à lui rendre visite ? Mon fils, comme tu dis, ne sera qu'un guerrier de second ordre, sans le moindre avenir. Je ne veux plus entendre parler de lui. En te frappant, je t'ai transmis le don de préconnaissance. À présent, tu as le pouvoir de connaître à l'avance quel sera l'avenir de ton peuple. Ce sera l'avenir le plus funeste que l'on puisse imaginer. Tu seras hanté jusqu'à la fin de tes jours par la vision de cette tragédie. Ton peuple est condamné à cet art. Tu ne pourras rien contre cela. Et si c'était vrai? S'il disait la vérité? Les guerriers de l'espace ne sont rien en tant qu'individus, mais qu'arriverait-il si ces mercenaires s'unissaient ? À mon avis, il ferait beaucoup de bruit et c'est tout. Je ne crois pas que ça veuille dire grand-chose. Pourquoi agissez-vous comme ça ? Pour quelle raison voulez-vous tout détruire ? Sa Majesté Fajr pense que les guerriers de l'espace sont devenus djinns. Qui a fait ça ? Il nous a trahis. Freezer, ce monstre, s'est servi de nous pendant des années. Il faut absolument l'arrêter. Toutes ces images n'étaient pas un rêve, mais la réalité future. On met tout en place pour l'opération finale. Vous le regretterez! Mon fils. Je réussirai à changer notre avenir. Je changerai le destin de la planète Vegeta. Je changerai le destin des guerriers de l'espace. Ainsi que le destin de mon fils. Tu vas voir, va bien s'entendre tous les deux. Et hop là.